Matthieu, chapitre 23, verset 3. Mais sa parole l'a dit. Fais et observez tout ça, demandez nous faire. Mais pas agir, je ne vois pas agir. Ça, c'est Matthieu, chapitre 23, verset 3. Je dis à nous content pour nous ensemble avec vous, pour nous venir présenter vous. La Bible est une prophétie, numéro 12. La Bible est une prophétie numéro 12, côté nous pral dire. Tout ce que vous faites qui selon la loi, tout ce que vous faites qui selon la parole de Dieu, faites. Mais pas agir, si on ne peut pas agir. Parce que vous-même, ça a fait, vous n'êtes pas conforme avec la parole de Dieu. D'abord, on a la prière, et ensuite, on a vu présenter la 12e émission, la Bible est une prophétie. En nous la prière. Père céleste, Dieu saint, Dieu de miséricorde, nous vous remercions parce que vous êtes fidèle, parce que vous êtes grand. Nous vous remercions pour compassion, pour faveur envers nous, particulièrement pour Jésus-Christ que vous voyez pour nous. Nous vous remercions parce que vous remet nous, vous remet nous et vous continuez à faire nous grâce. Merci Seigneur. Seigneur, nous demandons ensemble avec nous tout ça n'a fait, particulièrement dans l'émission ça. Nous demandons béni chaque grand monde qui a regardé l'émission ça et que l'émission ça permette de changer méthode de vie qui est menée qui pas bon et tout le monde qui était dans désordre, tout le monde qui était dans bagaille qui pas bien parce que vous jugez une société qui pas dans l'ordre, qui pas régulier, qui pas bien vraiment marcher selon l'homme. Et mais je dis à nous demandons Seigneur Dieu pour faire monde ça prendre conscience parce que nous besoin une masse critique. Parce que nous avons besoin d'une grande majorité qui a fait bien. Et comme ça, nous avons bien triomphé sous mal. Donc, Père Céleste, ensemble avec nous, tant pis, s'il vous plaît, animez l'émission de A à Z. Chaque grand monde qui a suivi nous, il y a des problèmes. Nous ne connaissons pas. Il y a des gens qui peut-être sont petits, qui ont besoin de faire. Il y a des gens qui sont peut-être mariés. Il y a des autres qui sont possibles. Que c'est un problème qu'ils gagnent parce qu'ils ont besoin de travail. Ou X et Y chose, l'autre problème qui peut exister. Il y a des gens qui ont dit pas de côté pour dormir. Et mes Pères Célestes, pour moi, d'autant plus, s'il vous plaît, agis. Parce que y a cherché, y a suivi, y a besoin malgré qu'il y a souffert. Et mes Pères Célestes, pour moi, agis. Nous devons faire merveille. Nous connaissons pas qu'on prie ou pas attendre nous. Donc, Seigneur, nous devons faire merveille, faire miracle, faire prodige pour chaque grand monde qui a suivi l'émission. Ça, et pour nous-mêmes, nous devons faire l'émission en tout. Donc, Pères Célestes, nous devons, tant plus, s'il vous plaît, inspirez-nous avec parole. Que ça nous brûle dit là, c'est pas parole la chair et le sang, mais c'est parole qui est inspirée par le Saint-Esprit. Donc, Père Céleste, nous prions pendant nous, pas nous, non, Jésus, qui a vivé, qui a prégné depuis tout le temps et pour tout le temps. Merci Seigneur, amen, merci Seigneur. Zami internautes qui suivent nous partout, je dis à nous content pour nous venir présenter où, comme nous dit où. Et 12e émission, la Bible est une prophétie. La Bible est une prophétie, c'est un ensemble de textes bibliques que nous analysons non pas dans le contexte historique là, parce que la Bible n'est pas historique seulement, mais la Bible est une prophétie également. Donc, je dis à nous venons dire dans Matthieu chapitre 23, verset 3, Jésus t'a parlé devant pendant foule là, t'es là. Foule là, t'es en dedans. Et assemblée a nous te gagné ça nous les scribes et les pharisiens yo qui te chita sous cher Moïse là qu'on s'est retiré cher ça et puis nous gagné Jésus qui était là t'a enseigné et les Jésus t'a enseigné Jésus dit yo bon dit nous petit bagaille fais ça nous ouais pharisiens ont mandé nous faire fais ça nous ouais et scribes ont mandé nous faire yo mais en retour pas imiter comportement yo. En retour, pas agir même gens avec eux. En expliquant un bagage comme ça. Parce que son prophétie lié et nous allons mettre dans le contexte prophétique là, je dis. Bon, tout petit bagage qui bien. Dans le temps Israël, nous avons gagné deux bagages qui étaient importants pour nous.
Premier bagage qui gagne, religion avec l'État t'est marié. On peut voir son nèg qui est loin, avec on l'huile. OK? Donc son nèg, c'est prophète là qui a cherché, qui priait pour lui, qui met couronne dans la tête lui, qui oint avec l'huile et qui proclame le roi. Donc chef religieux ton chef politique. C'est pas au hasard, nous t'ai gagné ça nous relé et un tribunal, juif là, il t'ai relé Sanhédrin. Après Jésus, il menait devant Sanhédrin d'abord et puis ensuite il y a le côté Pilate avec. Donc Sanhédrin traitait toute question juif yo, les questions ont dépassé Sanhédrin pour résoudre pour l'autre et laissa Sanhédrin aller côté ça nous relé autorité qui pire passé roi qui c'est autorité romaine. Et bien c'est comme ça. Nous pouvons comprendre que politique t'est marié comme moi dis nous avec religion dans société juive là. Donc société juive là était un l'état, nous t'a dit judaïque ou bien on l'état qui était chita sous religion que nous relais judaïsme là. Et bien voilà. Nous pouvons comprendre bien que jodia l'état li séparé avec l'église. L'état séparé avec la religion. D'ailleurs constitution qui pral gagner hein que me penser que ancien président Jovenel Moïse té gagne un comité indépendant qui t'a rédigé constitution ça nous espérer que li remplacer constitution qui là qui fout la problème qui gagne pile exclusion une équipe désordre là-dedans. OK gagne moun qui là-dedans gagne moun qui pas là-dedans gagne moun qui a fait 10 ans dehors un moun pas on prend un haïtien ou à l'étranger ou perdit nationalité etc. Je pense que la constitution ça a mérité changer, il y a trop d'exclusion là-dedans. Et puis, nouvelle constitution qui caba monopole là, nouvelle constitution qui là pour permettre que nous gagnions moins de discrimination dans la société à partir de la loi, et bien normalement, nous demandons pour que nous espérons que la constitution ça a rentré en ligne de compte. Mais la constitution ça a tout dit, Haïti est une république qui laïque. OK? Prochaine constitution nous ta doit gagner. Il dit que Haïti son république qui laïque, c'est-à-dire l'état un bord et puis religion l'autre bord. Bon maintenant, si c'est comme ça bagaille là, ça on te ka poser comme question. Pour qui ça me fait tout débat politique, religion dans société juive etc., ba yo te mélanger de foncel. Eh bien, prêtez attention parce que nous va faut comprendre qui ça que ou gen pour faire et qui ça tout pas gen pour faire. OK. Une bagarre qui gagne c'est que dans contexte Jésus t'a parlé, on te dit bien, son contexte c'était l'état t'est mélangé avec religion. Mais jodi a dans société nou yo, bon, gen société l'état toujours mélangé à religion, l'on république et les républiques islamiques, nous comprenons ça. Mais dans société nou yo, tant que société haïtienne, dans société américaine, dans société française là, l'État c'est l'État, religion c'est religion. C'est ça que fait, il y aurait l'État ça ou l'État laïque. Mais maintenant, qui ça peut gagner? Notre thème par rapport avec ça que je dis là. Bible a dit, fais ça ou yo mande nous faire. Fais ça ou mande nous faire. Yo, pas veut dire que tout ça, un politicien ou bien un chef religieux mande nous faire pour nous faire et pas ça lié. Non. Ni pas du tout ça, ni pas ça du tout. C'est tout ça au moment de nous faire qui selon la parole de Dieu, qui selon loi pays a. Tout ça au moment de nous faire fait. OK? Tout ça au dit nous faire fait. Tout ça qui selon la parole de Dieu, tout ça qui selon loi pays a. C'est ça me dit bien. Depuis au moment de nous faire fait. OK? Bon, je vais quelques exemples de choses qui pas entrer là-dedans. Par exemple, on a dit barricade c'est avenir. Ça pas dans la loi. Ça pas dans la constitution. L'on a dit normalement, lorsque gang ou affaire sociale, ça pas la loi, ça pas la Bible. Ça pas spiritualité. Donc on pas entrer là. L'on a dit ou arrêter ou barrer yon la rue pour empêcher 10 départements fonctionner. Ça, pas la loi, ça, pas la Bible. Donc, ça, je veux que tout le monde comprenne. Parce que, quand on est capable de dire bêtises, et pas monde, ça, on nous dit. Mais, monde, nous dit, pourtant, obéir à ça, c'est des monde qui a dit des bagailles qui moral ou bien des bagailles qui
spirituel et des bagailles qui politiquement correct. Politiquement correct, ça veut dire qui correspond avec la loi en la société. Kounya là, bon dou qui ça au cas faire qu'on doit faire. Par exemple, pour bagaille qui moral. Yo dou pas voler. Yo dou pas faire tripotaille. Yo dou pas bail menti. Yo dou pas faire polygamie dans société pas d'accord polygamie yo. Yo dou pas tuer. Yo dou apprendre l'école. Yo dou remet frère ou remet sœur partager et mais ou mettre faire ça yo. Même sur moun ki dou faire là, pas faire lui-même ou même ou mettre faire. Parce que soit faire selon la loi, selon volonté bon Dieu. Yo dou remet pays ou mettre remet pays ou. Yo dou pas jeter fatra dans la rue ou pas besoin jeter fatra dans la rue. Faire qu'on qu'on cherche un coin, cherche un côté ou bouler fatra yo. Mais assurer qu'il pas fait pollution trop. Ensuite, l'engin de l'eau. Au lieu d'avoir de l'eau sale qui a coulé dans les rigoles, qui peut faire mal, qui peut le battre nous, ça nourrit les moustiques, qui peut le battre nous maladie. Yo dit nous pas jeter de l'eau sale dans la ria. Chaque monde qui gon caille, fait un bassin, fait un tout. Ou bien dans zone, dans la communauté, a font tout qui carré se voit par exemple 50 mètres cubes d'eau. Ok? 50 mètres cubes d'eau. Et bien normalement, si le carré se voit 50 mètres cubes d'eau, donc nos journées à peine si nous mettons 1000 mètres cubes d'eau, si nous avons 60-70 personnes pour un grand trou. Ça peut permettre que l'eau ait été séchée dans la terre, l'évaporer, avant même li ait temps pour le plein. Et là, ça nous a fait pour 10-15 ans, nous pas jamais à le débourrer tout ça pour nous tirer de l'eau là-dedans. À terre, nous yo ap sèche. Et puis, de l'eau yo ap gon côté que yo rete, ap gen moins ces maladies, etc. Donc, c'est avantage ça qui gagne. Donc, si on dit nous pas jeter fatra dans la rue, oui, pas jeter fatra dans la rue. En dans l'église, lorsque l'État te fait un sel avec religion, te kon pran dim. Mais je dis, religion c'est religion, l'État c'est l'État. Si on travaille depuis en l'air, l'État prend n'importe 6, 7, 8, 10, 15% taxes sous tête. On ne pas du bail dim. D'ailleurs, on ne pas offrir qui plus que la dim. Donc, ou capable, yo du bail offrir pour service l'église là. Ou met bail. Ok? Yo du bail participation pour permettre que travail la fête plus bien. Ou met bail participation. Ou pas besoin de faire ça. Yo. Parce que normalement, l'offre yo. Pour obtenir des grandes récompenses. Taléa, nous avons dit que l'offre a obtenu des grandes récompenses. Mais quand il y a qui s'amrèle, l'offre a obtenu des grandes récompenses là. La première chose que m'a dit, c'est que normalement, tout le monde qui obéit avec principe la loi qui existe yo, ou pas capable de réussir dans la vie. Je dis bien ou pas capable de réussir dans la vie. Ou pas occupé moun ou enek bon la loi. Li dou fort moral mais moyen dans lui-même c'est bagaille immoral la fait pour le vivre sauf que grand bagaille qui gagne li pas en paix li toujours sous transaction li toujours sous les nerfs et li pas réussi la ville totalement je dis à là en imaginez bien qui en pile nèg qui pas choisi apprendre l'école mais qui te préféré aller dans gang mais je dis à là qui opportunité gagne puis aussi qu'il est yo ka gagne cob mais pas ka skiller j'en l'idée di yo. Kounya gen ki ka di men e gang avèk yo. Oui gang avèk yo. Men sko yo ka chita son plas publik a lèz menm jan avèk on nèg ki redi fè kòb li e chita son plas publik a lèz. Mwen menm mwen fè 1 an deyò Ayiti. Lòske mwen antre nan peyi a, mwen mache nan mitan la ri yo kòm si de rien n'ete. Mwen pa nan kouta peson. Mache nan mitan la ri yo nan tout riyèl yo. San pa janm pè anyen paske m pa janm nan kouta avèk peson paske m te suiv la vwa dwat. L'école son gros âme qui lié. Éducation son gros âme qui lié. Pour occuper moun k'ap vinn di que normalement si l'école était bon, ti malice pa ta pa vann bè. Non pa koute moun sa yo. Ou met koute chef d'état ki di apprendre l'école. Ou met koute chef religieux ki di apprendre l'école. Ou pa perdre rien pour ça. Au contraire, pral gagner. Ou met koute lè ou djou, pi ga ou fè fornication. Lè ou djou, pi ga ou fè adultère. Lè ou djou, pi ga ou fè orji. Ou met koute sa yo. C'est pour ou la pi bon. C'est ou kap sorti avec bénéfice la. Donc, je dis à l'an dans toute société ya. Si nous besoin moun ki bon moun yo plus, ke moun ki mauvais moun yo, eh bien,
et pour nous-mêmes qui voulons bon yo, en observer la loi. En observer les principes. En aimer le pays nous. En partager avec les prochains nous. En nous aider, ça nous relève une amélioration sociétale. Et comme ça, nous avons sorti vraiment, nous avons semblé à petit papa nous qui dans celle-là. Je vais expliquer nous clair. Lorsque les gens font bagarre et puis ils font contre là. Par exemple, nous avons un scribe pharisien. Pendant que y a dit nous pour nous remettre pays et pour remettre pendant que dit nous pour remettre bon Dieu, yo même yo c'est des monde qui orgueilleux, monde qui orgueilleux pas carrément bon Dieu. Yo monde qui orgueilleux mettre bon Dieu en bas plat pile, pas mettre bon Dieu en l'air. Et bien monde ça yo pas fait ça. Monde ça yo met prend première place tout côté pour aller. En retour, yo pas décidé pour reste même Jean Jodi là, deux trois nèg dit si yo pas dans élection pas qu'à fait. Donc, on a dit si un tel parle, et 12 millions de monde, on a dit si un tel, si tel parti pas représenté, élection pas qu'à faire. Comme si moun sa yo, pi moun qui respond yo, des moun qui pas même représenté 1% population, yo dit si yo pas allé dans l'élection, élection pas qu'à faire. Si yo pas si yon accord, accord pas bon. Donc, c'est aussi des orgueils yo. Mais à demander nous remet pays nous pas demander nous remet pays nous même craser mais remet pays nous et c'est comme ça n'a pas capable tourner en force pour tout monde qui pas remet pays ça pour nous mettre yo en quarantaine on prend terme dans comme ça pour nous mettre yo en quarantaine et puis de façon à ce que nous capable pas contrôler pays là après l'école pas de jamais yo mal servir bon Dieu pas de jamais yo mal et c'est un bien était toujours hier donc nous mettre faire ça yo demander nous faire qui selon la loi et selon la Bible. Je dis bien, fais ça, yo dit nous fait qui selon la loi et selon la parole de Dieu. Yo même y a regrette avec le temps parce qu'il pas rentré dans le ciel là et puis vite reste a toujours tourmenté. Dès nous comme dernièrement, si bout tonton rentré aller dans on fait pas connait, on bon monde bat li. Yo dit lui là qui était bat li, pas connait. Sauf que il a jamais là qui n'amène pour le l'autre pays pour faire tout ça ta faire. Donc c'est pour dire que Jodia, que l'on veuille ou non, ou même qui mène une vie paisible, ou fait mieux que tout le petit vagabond ça. Bon Dieu, pas si c'est pas béni, si vous d'accord pour observer la loi pays ou, et vous d'accord pour observer ça nous relie la loi spirituelle de la Bible. Bon, disons dernier bagage pour me conclure. Lorsque je parle de loi pays ou là, toute loi qui est juste. Si loi est injuste, loi doit modifier. Si loi est injuste, elle doit modifier. Et modifier a de bonnes méthodes pour qu'il fasse ça. Ce n'est pas anarchie. De bonnes méthodes, de bonnes façons pour faire, pour modifier la loi. Donc c'est comme ça, pas oublier, frère Sem. Si nous suivons, conseil ça, nous baillons. Donc c'est sûr que le pays va avancer. Donc la prophétie de Galadan, c'est que si nous suivons ça, yo, la vie va progresser, le pays va progresser. Donc Jésus te dit là en foulière, mais je dis là de façon prophétique, de transplanter vers nous-mêmes et nous-mêmes nous avons comme devoir pour nous obéir et comme ça, nous pouvons comment vie nous a amélioré, comment pays nous a changé, comment toute bagaille a vraiment bien pour nous et pour pays nous. Amis internautes, nous vous remercions parce que vous prêtez nous temps pour te suivre. La Bible est une prophétie. Nous prenons la prière pour nous capables de clôturer à l'émission. On ferme les yeux nous pour nous la prière. Père Céleste, nous vous remercions parce que vous êtes fidèle, parce que vous êtes bon. Nous vous remercions parce que vous avez l'opportunité pour nous être capables de nous présenter. L'émission La Bible est une prophétie. Nous demandons au Seigneur Dieu, chaque grand monde qui s'entend des paroles, que vous mettez en application, que vous obéissez avec la loi, si juste. Selon pays yo et si loi mérite modifier que yo utiliser toute procédure légale pour modifier yo que yo obéir avec parole bon Dieu qui a permet yo vivre une vie spirituelle qui vraiment bien et comme ça nous connaît que n'a diminuer toute force méchant yo et force bon yo a prend place. Père céleste nous mando tant pis s'il vous agir dans problème mon Dieu nous connons qu'on fait miracle nous connons qu'on fait prodige nous connons qu'on guérit malade nous connons qu'on lever mort nous connons qu'on bail moun clé moun qui pa gen clé nous connons qu'on bail résidence nous connons qu'on bail petite qu'on bail tout bagaille qui existait mais Père céleste vous êtes ça mando agir
au nom de Jésus. Même si on te voyait comme on a le poté manger par Eli, et bien même Jean tout, nous m'avons voyé comme on a dans la vie chaque grand monde qui a suivi mission ça. Parce que nous connaissons tout le monde qui l'a. Il y a un bagage, il y a besoin. Il y a besoin de corbeau pour qu'il vienne pour ton bagage pour vous. Et Père Céleste, nous compter sur vous qui a fait ça. Béni l'émission, béni serviteur, béni chaque grand monde qui a suivi nous. Nous prions dans le nom de Jésus qui a vivé, qui a prié. Et puis tout le temps, à pour tout le temps. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Zami est un autre qui a suivi nous, frère Semio. Nous sommes vraiment contents pour nous te présenter au 12e émission La Bible est une prophétie. N'abdou, pas oublier, sous nouveau pour abonner et sous channel là. Et puis, faire commentaire, partager l'émission à plusieurs mounes. Pas oublier, l'important pour nous, tendre les ou nous, obéir la loi pays nous, obéir avec la loi spirituelle de la Bible. Nous pas perdre rien pour ça, au contraire, nous sortir bénéfice. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous semaine prochaine pour La Bible et l'évidence numéro 13. Que Dieu vous bénisse.